Salut à tous! Le printemps est là, les oiseaux chantent. Oui, c'est bien le week-end du 17 juin pourtant. Il y a un léger décalage avec le reste de la France. Allez, c'est parti mon kiki, je m'attaque enfin à la pose des chenaux. Je sors le premier morceau et vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. Je trace mes premières découpes. J'avance par étapes pour arriver au résultat que j'imagine. Je préfère présenter le prochain morceau afin de soigner la première jonction. J'improvise bien entendu car je n'ai pas trouvé d'exemple similaire pour m'en inspirer, mais j'essaye de faire des choses à peu près logiques. Quand c'est pas trop mal, je prends ma cycloche pour percer le côté de mon chenot au ras de son fond afin de pouvoir y souder un clou de diamètre 80. Maintenant, il est temps de sortir du placard le chalumeau de zingueur et de se familiariser un peu avec. Je l'avais utilisé lors des quelques soudures à faire sur les gouttières posées sur la grange lorsque j'ai refait son toit en 2021. J'applique de l'acide afin de décaper le zinc avant la soudure, puis en chauffant avec le chalumeau la targette d'étain, goutte par goutte, j'en dépose afin de réaliser la soudure. Je chauffe bien la zone à souder, ce qui par capillarité répartit l'étain sur les pièces. Je procède ensuite à une deuxième passe. Je passe un coup d'eau avec un vaporisateur et nettoie la soudure à l'aide d'un vieux tissu.
Maintenant que vous connaissez un peu la musique, j'enchaîne avec le morceau suivant. Pour maintenir les deux morceaux plaqués le temps du pointage à l'étain, je perce en haut puis insère un rivet pop afin de serrer les deux éléments. C'est une astuce que j'avais vue sur la chaîne de LCZ Devor, une mine d'informations pour ceux qui veulent tâter la zinglerie.
Thank you.
sûrement que quand j'aurai fini de faire le tour du toit, je serai un peu plus doué. C'est ici un peu mon chantier école finalement. Manque juste quelqu'un pour me dire ne fais pas comme ça, fais comme ci. Mais bon, à force, je comprends certaines choses, même tout seul. Et voilà pour la première séquence de soudure, tout cela prend doucement forme. À bientôt !